Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'un vlog. Je pars en vacances. Désolée, je n'ai pas pu filmer avant parce que elle m'a pu. Parce que quand j'ai pris la route, mes parents m'ont réveillé. On devait partir à 5h. Ils m'ont réveillé à 4h55. Non, on devait partir à 5h. Et en fait, on s'est réveillé trop tard. Et moi, ils m'ont réveillé à 5h55. Ils ont oublié en fait. Moi, ils m'avaient oublié. Du coup, alors là, c'est moi qui me serais réveillée. Je me disais, bien, c'est long et tout. Bref. Ensuite, voilà, on a pris la route. On a fait une seule pause. Ça vaut. Ça fait 8 heures qu'on roule. 8 heures. 8 heures et 30. Et 25 minutes je crois, ou 30, 8h et 30 minutes je crois, et on a fait qu'une seule pause, et là on en refait une pour manger, peut-être parce qu'il est 14h30, on a faim, voilà. Du coup quand je suis partie, comme j'étais en retard, on était en retard et tout, je suis en pige et tout, je dois manger, sauf que mon short il est trop court, du coup j'ai peur qu'on regarde et tout, mais bon, du coup là... Mes parents et mon frère, ils sont partis chercher du jambon pour faire des sandwichs. Et ma soeur, elle est en train aussi de tourner sa vidéo. Donc voilà, donc là, elle est sur la table de pique-nique. Là, on va pas la voir. Voilà, elle est juste là-bas. Bref, moi, je suis restée dans la voiture. Même si j'ai chaud, on va un peu ouvrir la porte. Voilà. Du coup, je reprends la vidéo une fois qu'on mange et tout, etc. BC's with the YZ. I paint with different colors and never in the line. There isn't any other. I am the prototype. Hello les gens, désolée de ne pas avoir filmé, mais la dernière fois que j'ai filmé pour faire la pause, ça prend moins longtemps que j'ai fait la pause, je crois que ça prend moins 5 heures. Du coup là on a gros de l'homme, je sais plus, enfin voilà, enfin bref on est proche, on est presque arrivé. Donc là on a été manger à Burger King, on a été manger, je passe dernière parce qu'il y a mes parents derrière. On a été manger à Burger King. Là on vient de finir, donc là on va à la voiture. Et on a 20 minutes de route pour aller à l'hôtel. Tu vois là. Du coup, comme j'ai pas filmé, alors je vais vous dire ce que j'ai fait. Du coup après la pause, on a fait la route pour aller jusqu'à Lyon. Donc on avait... Vas-y avance devant. On avait 1h30. Au bout d'une heure et demie, on est arrivé, on va au zoo de Lyon. Donc je vous mets les vidéos. Voilà, franchement on a vu des lions, des girafes, c'était bien, voilà. Là, le premier truc pour ceux qui se demandent que c'est un lion, non c'est pas un lion, c'est pas, voilà, c'est une panthère. Voilà.
Et voilà, et après on est rentré, on a été à la voiture. Ça a été vite, franchement, il n'y a pas beaucoup de choses. Le tour, on l'a fait en 15 minutes à peu près. Du coup, après... Ouais, ils font un truc, je sais pas. Après le zoo, on est rentré à la maison. On est rentré à la voiture. Et après, on a fait la route jusque, ici. So, what's my homie? Donc, du coup, de la pause, la première pause où j'ai filmé jusque Lyon, il y avait 1h30. Et de Lyon jusqu'à Gros de l'Homme, il y avait 2 heures de route. Bref, je reprends les vidéos une fois qu'on est dans la voiture pour aller à l'hôtel. Du coup, c'est pas du tout grand. On est 5. Il y a un lit comme ça et un lit solo. Moi, dans le lit solo, je le dirais. Ouais. Bref. Voilà. Là, on a, je sais pas, un truc. Et ici, on a la salle de bain. Hey tout le monde. Du coup, il est actuellement 9h45. On a démarré, donc... ma famille s'est levée. Désolée si vous voyez pas. Mais bon. Donc toute ma famille s'est levée. Ma soeur s'est levée en dernier à 40. Moi je me suis levée à 35. Là ils sont tous dégonflés. Et là je vais venir m'habiller. Allez, on s'active. Oui. Au morceau. Donc voici ma tenue. En fait, on voit pas le bas, mais c'est un short comme ça. Et voici la deuxième. Hey! Du coup, désolée, j'ai pas pu faire la transition, mais voilà comment je suis habillée. Voilà, donc là, en fait, c'est une brassière de gym, mais bon. Bref. Donc là, on va fermer le coffre et on prend la route. Donc on a 5h30 pour aller jusqu'au camping. Mais d'abord, on va aller au magasin acheter à boire parce qu'on a presque, pu. Et après, on va mettre de l'essence. Et puis voilà. Bref. Ciao. Ok. Du coup, j'ai pas eu le temps de filmer dans la voiture. Mais je pense que ça fait 1h30 qu'on roule. Donc là, on est parti faire une petite randonnée. Donc là, je suis à l'avance. Il prend 3 ans. Du coup, il fait 33 degrés. Il crève de chaud. Et voilà quoi. Bref, là, on a 1h30 de marche pour aller à la randonnée. Je vous mets une photo où on doit atterrir. Donc on doit atterrir là. Donc là on a fait au moins le quart, je crois. Attendez, parce qu'il y a mon frère. Donne-moi à la main. Ça, c'est dangereux. Il n'y a pas de barrière. Bref. On se retrouve tout à l'heure. Une fois que je suis presque arrivée. Où il y a l'eau. Les gens, on est sur le pont. Je vous mettrai plein de vidéos, j'en ai pris plein. Je mettrai des photos et tout. Bref, ça fait flipper. Là, on est vers la fin. Donc, il reste tout ça. Et en fait, comme là-bas, on peut pas continuer, on va faire un aller-retour. Donc ça, et après, on rentre à la maison. Sauf qu'on va prendre un raccourci. Et après la randonnée, une fois qu'on est dans la voiture, on part pour aller au camping. Et là, on va pas aller autre part que le camping. Bref. Ciao. Guys, du coup là on fait une pause pour aller manger parce que pour le midi on n'a pas encore mangé. Il est 15h55, on n'a pas encore mangé. Il nous reste 2h40 de route pour arriver. C'est tellement long.
genre vraiment. Bref. Du coup, on se rejoint. Pareil, je me filme en train de manger. On mange des sandwichs, comme d'hab. Tous les midis, on mange des sandwichs. Pas tous les midis, genre à chaque fois qu'on part en vacances. Bref. Sûrement, je vais filmer une fois que je mange, etc., etc. Everyone, du coup ça y est, je suis à mon camping, je suis bien arrivée. Ça doit faire au moins 40 minutes que je suis arrivée. Là je suis partie faire un petit tour. Je vous mettrai des vidéos quand je suis arrivée, etc. Bref, du coup, sans vous mentir, c'est... ça sera pas mon camping préféré parce que je vais faire deux campings. Déjà, lui, il y a que trois. Je suis venue il y a 6 ans à ce camping-là. Il y avait personne, il n'y avait pas un chien. Il y avait que. Allez, je suis gentille. Hein. Il y avait que 10... dans tous les mobil-hommes qu'il y a, et il y en a plus de 1000 de mobil-hommes. Il y avait que 10 mobil-hommes de prime. Il y a 6 ans, on n'était pas beaucoup aux piscines et tout. Et là, tous les mobil-hommes ils sont pris. Genre vraiment, je regarde depuis tout à l'heure. Tous les mobil-hommes ils sont pris. Et nous, on était. Il y a 6 ans, on était le mobil-homme 2. Et là, on est le mobil-homme 203. 203. On est loin de la piscine. Bref, je voulais sauter. En fait, on est arrivé. On est arrivé à 19h15. Comme la session, elle était fermée, on a dû aller dans la boîte aux lettres pour les enveloppes et tout, là. Etc, etc. Ah, bref, c'était galère. Et il y a de toutes les langues, il y a des Espagnols, il y a des Anglais, il y a des Arabes, il y a de toutes les langues. Désolée si je vous montre pas trop, mais il y a des jeunes. C'est assez gênant. Enfin bref, là je suis de retour, je reviens mon mobil-home. Du coup demain, je vais vous filmer là, pendant toute la semaine. Déjà la vidéo là, elle dure 10 minutes. Oh j'avais pas vu, il y a du ping-pong et tout, oh ça va être trop bien. Bah ce soir on va jouer au ping-pong, on va peut-être à la plage avec mes parents ce soir. Et bah bref. Voilà quoi, c'est le camping. Voilà, je suis perdue depuis tout à l'heure, je sais pas. Il y a un petit me pensait dedans. Je sais même pas où je suis, je sais même pas pourquoi je tourne. Normalement il faut continuer toujours tout droit. Bref, et du coup je disais tout à l'heure, on arrive à 19h15, donc on est avec, avec toutes les lettres et tout. Ça a pris au moins 20-30 minutes, donc on arrive au camping bah, dans notre mobil-home à 19h30. Ensuite, à 19h30, on a tout défait. Dès qu'on a fini, il était 19h40. Et je dis, oh ma mère, vas-y, je vais à la piscine, j'ai trop chaud et tout. Sauf qu'au final, il ne restait que 15 minutes. Je me dis, sûrement, ils vont fermer 5 minutes avant. Donc je me dis, c'est bon, ça sert à rien, j'irai demain matin. Donc demain matin, je vais me réveiller, je me lève à 9h. Comme normalement là. Oh, j'ai pas regardé, la piscine elle ouvre à quelle heure? Pff, tant pis, je verrai bien demain. Demain, normalement, elle ouvre à 10h. Donc demain, je me lève à 9h, le temps que je me prépare, nanana. Il sera 10h. Et à 10h, je vais à la piscine avec sûrement mon père et ma soeur. On sera trois. Parce que ma mère, sûrement. Je serai avec mon petit frère, etc., etc. Enfin bref, c'est ma vie. J'ai la vie comme j'en ai envie. Non, je rigole. Enfin bref. Du coup, bah, ma vidéo, elle va durer 9 jours. Et voilà, donc là, on a mon camping. À côté de chez moi, il y a des Espagnols. Bref. Le camping. Nous, on est à la maison, là-bas. Enfin bref, la 203. Voici la 203. Enfin bref. Chousson. Really hope now you can be a better man for your brand new girl. You, happy.
Et les amis, désolé si vous ne me voyez pas très bien. Mais du coup, là, on part parce que... Vas-y, avance devant. Parce que... Du coup, là, en gros, on a entendu un spectacle et tout. Du coup, là, on va aller voir. Sauf qu'on n'entend plus du tout un bruit. Du coup, si jamais le spectacle, il est fini, on va aller dans le château, dans le grand château. Et c'est surtout qui est 23h25, je crois. Du coup, voilà. Du coup, c'est bientôt la fête des pères. C'est dans quelques 40 minutes, je crois. Bref, on se rejoint une fois qu'on est arrivé. Ok, donc là, on est au château. C'est tout le monde par terre. Donc là, on monte. Mets le flash. Mets le flash. Désolée si vous ne voyez pas très bien, mais on monte en fait. Au moins, il y avait un truc avec du pain. Ça, je m'en souviens. Là, le pain, il est là. Il est collé et tout. Bon, je filme, mais on ne voit pas. Il est grand le truc. C'est chiant, moi, j'ai pas de flash. Bon, je vous filme en arrière-plan. Parce que voilà. Voilà, bref, il y a des jeux. Ensuite, voilà. Sinon, on a le pack, ma soeur, elle disait. Là, attends. Ensuite, après, on va passer là-bas, on n'en fait pas. Ensuite. Là, on a une petite maison. Oh, ça, on peut carrément faire un cache-cache ici. Je vais m'en faire une cachette là. Oh là, là si je vais montrer un cache-cache, une cachette. Là aussi. Ah ouais, là-dedans aussi. J'avoue. Voilà. Là on a une petite maison. Ah c'est quoi ça? On a le droit d'être ici. On dirait un enterrement. Attendez. On est d'accord, on tire un enterrement. Bon. Mais si on a le droit d'être ici. Normalement. J'ai vu plein d'enfants y aller et tout. Hey, y a un toboggan, tu sais. Ça a changé, il y a un toboggan. Ok. Bon, on fait bien. Là-bas, il y a un toboggan. Va de l'autre côté pour qu'on parle. Ok. Allez. Ouh. C'est pas là. Ah bon? Va ici de l'autre côté. Ok. Ouh. Attends. Ouh. Vas-y, parle. Ouah. Répète. Ouah. Ouf, t'entends? Mets ton oreille. Vas-y. Ouah. Ah ouais. Oh my god, washing dead. Bref. Ah, on peut descendre par là et tout. Ah. Arrête. Viens, on descend. Mais il y a un toboggan là-bas. Ah bah viens. Normalement, parce que tout à l'heure j'ai vu plein d'enfants descendre par des toboggans. Oh, allez, on cherche. Hein. Je me souviens, il est là. Oui. Ça fait court. Je descends tout de suite après toi, ok? Ok, vas-y. Je t'en suis maintenant. Mais attends, ça glisse pas. Ça glisse pas. Attends. Aïe, ça pique. Ça glisse presque. Ah, ça du golf. Ah bref, allez on va voir la fête. Go. Il y a pas de fête. Genre, bref, on me voit pas là, mais voilà, c'est une fin. Du coup, la fête elle vient de se finir. Donc on n'a pas eu le temps.
Du coup, là, on rentre à la maison. Enfin, à la maison. Au camping. Enfin, au mobilhome. Ouais, vous avez compris. Et voilà. Du coup, voilà. Donc, on se retrouve ce soir avant que je dorme. Ou quand je vais à... ou avant de me laver. Je sais pas. Donc voilà. Bref. Ou à demain, ça se trouve. Enfin bref, je verrai. Hey tout le monde, désolée de ne pas avoir filmé ce matin. J'avais plus de batterie, etc., etc. Bref. Là, avec mon frère, donc j'étais à la piscine. Je me suis fait une copine. C'est bizarre, elle habite au même endroit que moi. Genre moi, j'habite dans le 62, elle habite dans le 59, donc à 15 minutes. Du coup, c'est bizarre, je fais de la gym, elle fait de la gym. Alors que je suis tombée sur la bonne personne. Donc bref, depuis 10 heures, je suis à la piscine. Je suis rentrée vers 13h15. J'ai mangé, donc là je viens de finir de manger, j'ai mangé une glace. Et là, mon frère me demande est-ce qu'on peut aller au château. Du coup, j'ai dit oui. Et du coup, là, on est en route pour aller au château. Au château. Attends, il y a quelque chose. Au château. Allez, viens Eden, sinon on perd du temps. Donc voilà, donc après je vais à la mer. Donc comme là, je suis à 100%, je vais pouvoir filmer. Bref, ciao. Hello, hello. Du coup, là, on est arrivé à la mer. Il n'y a personne sur le sable. Enfin, vraiment, surtout à côté, à part sur le sable. C'est ça, je comprends pas des fois. Il y en a qui jouent à la P3. Il n'y a vraiment personne, je suis toute seule. Mes parents, ils sont partis. Je sais pas où ils sont. Ils sont venus pour nous conduire, mais. Ils étaient derrière moi, et là, ils sont plus là. Il n'y a personne sur le sable, c'est cool ça. Genre vraiment, personne. Oh le sable il est bizarre. Oh, regardez là-bas. L'île. Il n'y a qu'une seule île, tu vas me dire. Il n'y a qu'une seule île. Il n'y en a pas d'autre. Hello les guys. Du coup là je pars chercher une bouée pour mon frère. Parce que il y en veut une. Bref, du coup. Ça doit faire au moins une heure et demie, deux heures qu'on est à la plage. On a changé de place parce que l'autre plage, elle était nulle, mes parents ils disaient. Voilà, parce qu'il y avait plein de cailloux par terre. Donc là, on a une plage. Voilà. Ensuite, j'ai été pendant une demi-heure, un quart d'heure. Non, pendant 30 minutes, 45 minutes dans l'eau avec mon père. Donc j'ai sauté à des rochers. Donc j'ai sauté à ce rocher là. Après j'ai été à eux là-bas. Je suis revenue, j'ai plongé tout ça. Tout ça, tout ça et voilà. Et je sais pas si vous voyez mais il y a un petit pont. Là le petit pont là. Et ben ça mais avec mon père, moi et ma soeur, on s'est installé là au tout début. Et on a fait un Ladélidélo. Donc ça tu mets ta main au milieu, en haut, en bas. Et voilà, bref, je sais pas si vous connaissez, j'ai flemme d'expliquer, désolée. Et en mode, voilà, donc voilà, c'est un jeu. Donc là, mon père y avait gagné. Donc après, avec ma soeur, on a dû faire un perfect ciseau. Ma soeur a perdu, vous voyez. Du coup, c'est elle qui devait sauter en première. Moi, je devais sauter en deuxième. Et mon père en troisième. Sauf que ma soeur l'a mis 20 minutes à sauter. Et au final, elle a pas sauté, en fait. Du coup, on a refait un Adélidélo, donc c'est moi qui ai perdu, donc c'est moi qui ai dû sauter en premier. Et moi, je l'ai vraiment fait, j'ai vraiment sauté en dernier. En première, j'ai vraiment sauté. Moi, je suis une bonne joueuse. Et au final, ma soeur, elle est pas venue. Hein. Ah, du coup, au final, ma soeur, elle est même pas venue. Ok, attendez, je prends la bouée parce que ma mère, elle a dit c'est dans un petit sachet bleu. Je sais pas. Alors, ça, c'est un sachet bleu. C'est dans un petit sachet. Oh là 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 là. Ça va être galère, je le sens. C'est dans un petit sachet bleu. Spider-Man. Elle m'a dit que c'était Spider-Man. Ok, on est bon. Reste comme ça. Bref, j'aime bien vous accompagner avec moi. Bon, en même temps, c'est un peu une vidéo. Par contre, la vidéo, déjà, le montage, j'avais commencé à le faire.
Ça a duré 19 minutes, plus toute la semaine. Je pense que ça va durer au moins... La vidéo, elle va durer au moins pendant une heure. Désolée si c'est long, mais... J'arrive pas à la fermer. C'est bon. Ouh ! Donc voilà, j'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, ben voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis ma capuche. Et oui, j'ai mis ma truc à l'envers, c'est fait exprès. Je sais pas, j'aime bien. J'ai fait ça en mode pour que j'ai mes cheveux s'envolent et tout, mais bon, j'ai pas de cheveux. Je suis la forme, la forme, la force. Bref, sinon, dites-moi si vous êtes parti en vacances. Sur mon Instagram. Donc, je vous mettrai en description mon Insta. Wouh ! Un frelon. Hop. Wouh ! Le frelon, il m'a suivi. Bref. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et voilà, on se rejoint tout à l'heure. Club, donc on vient juste de y aller, sauf que là on avait trop chaud, du coup ma soeur elle a mis une robe et moi je me suis attachée les cheveux. Là on y retourne pour un peu se faire des copines, etc. Moi j'en ai déjà une, mais si je peux en prendre une deuxième ça serait bien. Et ma soeur elle part en rechercher une à la recherche des copines. Bref, et du coup bah voilà, bref, on se rejoint au mini club, du coup ça s'appelle comme ça. Donc dedans il y a du ping-pong, il y a du foot, tu peux faire du foot, t'as des balançoires, t'as des jeux, ensuite t'as des voitures, une sorte de voiture pour pédaler qui sont fermées, ils réouvrent que la journée, et ensuite on a pour faire du basket, et voilà, après t'as une petite table pour goûter, etc. Enfin bref, bisous bisous. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc c'est le deuxième matin depuis que je suis arrivée au camping. Donc là je vais à la piscine. Du coup je pouvais pas vous emmener avec moi parce que mon télécharge, il y a besoin de charger. Et tout le monde, du coup c'était pour vous dire quoi. Là je vais rejoindre ma copine malgré qu'on a été toute la journée ensemble, parce que ce soir elle va au centre-ville à la fête de musique, parce qu'il y a une grande fête de musique. Et moi je savais pas que j'allais y aller. Ma mère elle arrive à la piscine, elle dit, ouais ce soir on va à la fête de musique au centre-ville. Je me dis, mais en plus je l'ai appelée, lui ai envoyé un message et tout, elle me répondait pas. Du coup j'avais trop peur que, ben voilà. Du coup là je vais la rejoindre chez elle. Voilà. Du coup là je vais la rejoindre. Bref, dans 30 secondes je suis arrivée. Allez tout le monde, du coup vous allez voir que j'ai filmé tout le long, mais en fait hier j'ai pas filmé, j'ai pas pu, hier toute la journée j'étais à la mer, du coup j'ai pas pu, je me suis levée et tout. Enfin bref, donc là il est 18h et quelques, donc, et je pars à la piscine, et voilà, je me suis fait une nouvelle copine. Bon, en fait on est en train de jouer et on a tous joué ensemble.
Bah en fait, genre c'est un garçon, hier il y a eu une grosse embrouille avec une fille, avec Naomi, celle que... Non bah vous la connaissez pas parce qu'elle peut pas être sur le cul. Mais une fille que j'ai connue depuis le début, donc depuis une semaine, non depuis 5 jours. Bah dès que je suis arrivée le lendemain on s'est connu, enfin bref voilà. Elle, une fille, qu'on connaissait même pas, et moi. En gros on était dans un château, et la fille a commencé à me dire, ouais tu vois... avec quelqu'un, c'était une quelqu'un qui travaille ici, bref du coup ouais, tu vois la fille avec son sac, donc ma copine et avec sa copine, du coup bah moi j'étais en train d'écouter parce qu'on joue à cache-cache de base et tout. Désolée, j'ai pas pu finir ma vidéo car j'étais arrivée à la piscine etc, bref je disais avec l'histoire la fille là je sais pas quoi là, bref du coup je disais, en gros, on était avec ma copine, on est arrivé dans le château. Bref, Ok. Donc, je disais, on est arrivé dans le château avec ma copine. Voilà, voilà. Je sais même plus où j'en étais, mais bref, dans l'histoire. Tout ce que je sais. Et du coup, ma moulin. Et on arrive dans le château. Du coup, j'entends ça et tout. Du coup, une fois, elle a dit. Après, elle lui a dit. Bah, en fait, elle l'a dit, elle le parlait à son frère, ouais, mais elle savait pas que j'étais en dessous parce qu'on faisait un cache-cache. Elle savait pas que j'étais en dessous en train d'écouter. Quand elle m'a vu, elle a dû dire Oso, what's my home? Désolée, je sais pas la faire à croire. What's my home? True dad. Enfin, bref, voilà, elle a dû dire ok, je suis morte. Et après, du coup, j'ai été le dire à ma copine parce qu'elle m'a reçu très tôt en même temps. Elle a dit en plus, parce qu'elle avait un sac, ma copine, tu vois. Voilà, pour poser son tel et tout, on a le droit d'avoir des sacs. Moi, je me suis acheté une bague et ça veut pas dire que je suis une femme. Je suis un enfant, enfin, une adolescente, début adolescente, parce que j'ai 12 ans. Est-ce que j'ai le droit de dire mon âge? Don't touch me. Bref, voilà. Du coup, ensuite, voilà, du coup, je pars le dire et elle a dit, oh, je vais aller la voir et arriver. En fait, la fille, elle a descendu, elle a été la voir, mais elle a pas parlé, elle est juste restée devant, tu vois. Et la fille, elle commence à dire, ouais, cherche pas. Alors qu'elle n'était pas en train de chercher, on voulait juste expliquer pour savoir pourquoi ils nous ont maltraités comme ça, et pourquoi ils nous ont insultés. Ils pouvaient très bien venir nous voir, nous, et en disant, ouais, pourquoi vous nous avez embêtés, etc. Enfin, on les a peut-être embêtés, mais venez vous expliquer, ça s'arrangera. Mais c'est parti, on bagarre, c'est parti. Alors, de notre côté, on était 22, parce qu'il y a plein de filles qui commencent à arriver. Donc, au départ, on était 3, avec ma soeur, ma copine et moi. Et on a fini par 22 personnes, on est fini par 22, quand même. Et ils sont restés par deux. Bref, du coup, voilà. Et voilà, du coup, bah... Après, tu vois, en fait, moi, à chaque fois que je suis en dispute, je fais une pause vraiment bitch. Une pause bad bitch, quoi. Je suis comme ça. Désolée, je suis en maillot, hein. Je suis comme ça. Je sais pas. Et en fait, le garçon, il m'a imité. Il m'a fait... En fait, il a fait... Ouais. Du coup, moi, j'ai changé de position. J'ai fait ça. Et lui, il a fait... Du coup, ça m'a saoulé. Et il m'a dit... En plus, regarde-toi, t'as des gaines. Je dis, bah toi, regarde avec tes grosses lunettes. Il veut des lunettes comme ça. Et tout. Enfin bref, après on est parti parce que ça nous a saoulé, voilà. Ça c'est moi qui a tout dit les trucs. Parce qu'elle avait peur, elle disait rien, elle rigolait. Bref. Ensuite on est redescendu, on est parti manger, on est revenu, ils étaient encore là, ils nous suivaient en fait. Ensuite, tu fais quoi? Je viens. Pourquoi? Parce que je capte rien là-bas. Pousse. Bah alors tu mets pas le son trop fort. Bah, je fais ce que je veux. Bah non. C'est pas ta chambre. Bah non, mais moi toi aussi tu fais pas ce que tu vas mettre le son trop fort. Enfin bref, voilà. Ensuite on revient, du coup ils étaient encore au château. Et voilà. Donc après ils sont repartis, eux ils sont partis se plaindre de leur mère. Parce qu'après on les avait fort insultés. Alors on les ajoute un peu parce qu'ils nous avaient saoulés. Du coup après on les avait fort insultés, etc. Bref, du coup voilà. Après, une fois qu'ils sont partis, se plaindre à leur mère, il y a ma copine, elle est partie cracher où ils étaient assis en fait. Parce qu'ils étaient en haut d'un truc, ils étaient assis. Mais qu'est-ce qu'ils sont fous? Je le pense pas en vrai. Ouais, voilà. Donc ensuite, ils s'en sont
Donc après ils sont revenus, ils se sont assis où elle avait craché. Donc moi j'étais en mode. Bref, voilà. Après, il y a trois filles qui ont commencé à venir. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et ils nous ont dit, vous savez, les deux personnes en bas, ils vous ont traité de ça. Bref, voilà. Et du coup, ben, moi j'étais voir en disant, pourquoi vous me traitez? On essaye juste de s'expliquer et tout. Et voilà, bref, c'est parti. Après, il y a les trois filles, tous leurs copains se sont commencé à venir. Donc on était 22 là, on était 22. Il y a une petite, je sais pas, elle aurait dû avoir 8-9 ans. Elle faisait trop rire. Donc eux, ils étaient en haut, les autres bizarres là, ceux qui nous ont traités. Ils étaient en haut et ils nous disaient... Voilà. Ils étaient assis du où elle avait craché. Et la petite, on était tous avec des claquettes, parce que voilà, c'est vraiment camping. On va pas se trouver avec des baskets. Enfin, on était en claquette, elle dit, tu vas avoir la claquette de l'Algérienne. Par contre, comment elle les tuer et tout. Enfin, bref. Après, voilà, les deux autres, là, ils sont partis se plaindre à leur mère. Toujours se plaindre. Enfin, t'as besoin de ta mère pour te plaindre. Enfin, voilà. Tu peux très bien gérer ça tout seul, mais bon, c'était vraiment parti loin et tout. Ouais, chérie. Ma vie, mon bébé. Du coup, voilà. Donc, ensuite, voilà, donc la mère. Donc, après, on avait entendu un bruit dans les escaliers. On a flippé, on est tous descendus par le toboggan. Sauf qu'en bas du toboggan, il y avait la mère. On était 22 à attendre. À ne pas. Ouais, nous, c'est des méga mains. Non, non, non. Du coup. Le garçon, là, il a commencé à dire à sa mère, il a commencé à la traiter et tout. Donc sa mère, elle dit, oh, c'est pas bien de dire ça. Et en fait, elle a juste dit ça. Moi, je fais ça à ma mère. Je vais pas vous dire le grand mot qu'elle dit, mais voilà. Enfin, je me fais tuer. Du coup, voilà. Ensuite, une fille, elle dit, madame, personnellement, moi, c'est mon avis. Votre gamin vous a traité comme ça, et vous faites rien. Et elle, du coup, la mère a commencé à dire, ouais, t'es vraiment en train de faire la morale à moi, nanana, tu traites que je suis une mauvaise mère. Bref, là par contre, j'avoue, la fille, elle a un peu abusé. Mais bref, du coup, moi je dis, bah madame, aussi, vous aussi, eux aussi, ils ont fait quelque chose, prenez-vous-en pas à nous, eux aussi, ils ont fait quelque chose, c'est pas comme si que nous n'avions rien fait. Et voilà. En fait, c'est comme si que nous, c'est nous qui avons commencé, alors que c'est la fille qui a commencé à dire des méchancetés sur nous, sur moi et ma copine. Du coup, bah nous, bien sûr, si on leur traite, c'est comme si qu'on vous traitait, vous n'allez pas vous défendre, vous allez laisser faire en mode, ouais, vous avez raison, voilà, enfin, tu te défends. C'est eux qui l'ont cherché, ils cherchent. Déjà, en plus, elle savait que, parce que la deuxième fois qu'ils nous traitaient, ils savaient qu'on était là en train de les écouter. Ils ont fait exprès de le dire fort parce que c'est comme si que moi j'avais traité quelqu'un et qu'il était là, en fait je savais qu'il était là et je le disais fort pour qu'il entende, pour que ça cherche l'embrouille. Moi j'ai pas envie des embrouilles, je vais le dire à voix basse pour que ça, il va pas l'entendre, il va pas aller se plaindre à sa mère pour que ça parte loin. Enfin bref, ça paraît logique. Bref. Voilà. C'est quoi cette candie là? Et après, ben. Sa mère, elle est repartie. Elle a fait de plus. Parce qu'elle s'est parlé, elle est en train de dormir. Désolée, mais moi, si ma mère elle dort, je vais pas la réveiller, c'est pris pour une histoire. C'est pas nous qui l'avons réveillée, hein. C'est ouais, enfants, c'est. Ses enfants là, ils ont dit. Ouais, maman, ils arrêtent pas de nous insulter alors que c'est eux qui ont commencé. Du coup, voilà. Et après, la mère, elle est repartie, elle disait, oh, ouais, moi, j'étais en train de dormir à cause de vous. À cause de nous, c'est vos enfants qui ont commencé. Moi, j'étais à deux doigts de la frapper, ça m'énerve. Qu'elle s'en prend. C'est comme si que ma mère... Ah, son enfant, là. Et voilà. Et du coup, voilà. Et après, une fille, dès qu'elle est partie, une fille, elle a crié, ça, à la mère. La mère, elle s'est retournée et tout, elle est revenue. Et nous, tout le monde était caché. Et Naomi... Ma copine, elle était cachée en haut en fait, parce qu'elle a entendu que la mère, elle était en bas. Du coup, elle est montée en haut pour se cacher. Et dès qu'elle a descendu le toboggan, il y avait sa mère. Ah, une autre là, quand la fille elle a crié ça. La mère, elle est revenue. Et dès que Naomi, ma copine, elle est descendue, il y avait sa mère. Donc sa mère, elle a cru que c'était elle. Du coup, elle s'est fait crier dessus. Naomi, elle nous a rejoint aux toilettes parce qu'on était tous cachés aux toilettes.
Naomi, elle pleurait, elle avait eu peur, alors que c'était pas du tout elle. Justement, elle était en haut, elle avait rien fait. Enfin, bref, une histoire très longue. Bref, j'ai vraiment expliqué tout ça en 10 minutes presque. Bref, je pense pas que je vais poster 10 minutes, mais je pense. À part bah non, poste pas, imagine, ils voient la vidéo, débile. Bref. Puis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ciao. Everyone. Du coup, là, je pars chercher ma copine. Mon autre copine. Bref. Mais je sais pas si elle peut sortir parce que. Il y a peut-être 10 minutes, elle m'a appelé, elle m'a dit que je t'envoie un message dès si je peux sortir ou pas. En plus, il y a ses parents qui viennent d'arriver. Oups. Oh. Attendez. Il y avait la fille où on s'est disputé là. Elle était en vélo. Elle m'a regardé trop mal. En plus, nos parents, ils veulent plus qu'on s'approche de nous. Enfin, elles veulent qu'on s'ignore. Donc c'est pour ça que je disais, la vidéo, elle s'est arrêtée. Du coup, je disais, c'est pour ça que j'ai couru. Donc, ils ont organisé... Hein? Tu l'as appelé, je sais pas combien de fois. Tout le temps, c'était moi qui répondais. Je comptais pas l'appeler. C'est pas logique. Ouh, la fille vient de passer. Elle fait exprès. On doit s'ignorer, on doit pas passer à côté. Elle fait quoi? Elle passe juste à côté de nous. Ouh. J'ai pas envie d'avoir encore plus d'embrouilles là. Bref. Ouh. Du coup, désolée, parce qu'il y a des gens qui passent et je vais pas parler et tout. La fille, elle n'arrête pas de passer devant moi. Et du coup, ce matin, on était à la piscine. Je suis retournée à 15h. Et de 15h à 17h30, elle était là, à mes pattes. J'allais au toboggan, elle allait au toboggan. J'allais à la piscine, elle allait à la piscine. J'allais à l'autre piscine, elle allait à l'autre piscine. J'allais au jacuzzi, elle allait au jacuzzi. J'étais en mode... Tin, 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 ça me saoule, je vais la fracasser. Tu vois, voilà. C'était chiant. Et sa mère, et la fille, elle aime me dire, sa mère, ouais, pourquoi les autres filles, elles nous suivent et tout. C'est elle qui me suivait, avec ma copine, avec mes deux copines. Du coup, la mère commence à se retourner, elle me regardait trop trop mal. Genre vraiment, elle me regarde en mode... Bref, elle me regardait mal. J'ai des coups de soleil. Mais bref, voilà. Hey tout le monde. Du coup, faites pas gaffe. Ouh! Ma voix! Je disais, faites pas gaffe à ma coiffure. Ça fait 30 minutes que je suis levée et tout. J'ai pas le temps de m'habiller parce que c'est l'anniversaire de ma mère, donc je vais offrir son cadeau. Donc c'était une chevière. Une chevière. Un truc pour mettre, une chaîne en fait, pour mettre au pied. Bref, c'est pour dire que c'est la dernière. Parce qu'en fait, je vais pas filmer parce qu'il reste que deux nuits. Et il y aura rien d'extraordinaire pendant deux nuits. Je vais aller à la piscine. 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 Le soir, jouer. Jouer avec mes copines. Et après, dormir. Regarder Netflix et tout quand je serai rentrée. Donc voilà. Donc, le jour où je vais poster cette vidéo, normalement, c'est aujourd'hui. Donc, le 24 juin 2021. Normalement, je vais le poster aujourd'hui. Je sais pas. Mais c'est dingue parce que hier, j'ai regardé, j'avais 7 abonnés. Et là, j'en ai 11. Et mes vidéos, ils ont percé. Genre. Ma dernière vidéo, elle a 85 vues. Mon avant-dernière, elle en a 100 et quelques. Et la toute première, elle en a 265. Oh my god, genre. Bref. Du coup, et en plus, de base, je vais à la mer, normalement, vous le savez. Sauf que moi, je vais plus pouvoir y aller. Parce que je me suis fait une coupure à mon gros orteil. En fait, je marche trop à chaque fois. Je fais trop d'aller-retour pour aller chercher un truc. Hier, je revenais juste d'aller. Enfin, en fait, il y avait le match hier. Et à mon camping, ils ont organisé un gros truc pour regarder le match.
je vous mettrai une vidéo. Voilà, la vidéo elle dure quelques secondes, mais voilà. Un gros truc comme ça. Et du coup, voilà. Et mon père, il venait nous rejoindre à la mi-temps. Donc, je crois que ça se dit comme ça, à la pause, en fait, de 15 minutes. Voilà. Donc, voilà. Donc, il vient. Et du coup, parce que je lui avais demandé de prendre mon téléphone parce qu'il chargeait, parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et je lui dis, est-ce que tu as pris mon téléphone? Il a dit non. Et du coup, j'ai dû aller le rechercher alors que je revenais de la maison. Du coup, en fait, ça a fait trop d'allers-retours. Je marche trop pour aller à la piscine, pour revenir, etc., etc. Donc, je me suis fait une grosse coupure. Hier, vous verrez, elle était comme ça, vraiment. Bon, j'abuse pas. Comme ça. Enfin, vraiment. En largeur, comme ça. Mais là, ça va, elle s'est déshydratée. Elle s'est resserrée, donc ça va. Mais ça fait toujours mal. Du coup, je vais essayer de rester plus longtemps à la piscine. Pour dire de moins marcher. Et je vais essayer de... Parce que moi, à chaque fois que ma mère, elle m'appelle, je mange et j'y vais direct. Que je vais faire un peu des pauses. Parce que sinon... C'est chiant ou quelqu'un doit me porter, tout simplement. Mais bref, voilà. Donc voilà pourquoi je vais plus à la mer. Donc aujourd'hui, mes parents, ils doivent aller à la mer avec mon frère. Et ma soeur, elle ne veut plus aller à la mer non plus. Donc mon père, pour 2 jours, il a dit, allez-y, allez vous rester à la piscine. Moi, je suis obligée. Bah, parce que le sel, ça pue le sel. Le sable, ça pique. Et la mer salée, ça pique. Du coup, bah voilà. Et pendant 2 jours, ça va être pareil. Je vais aller à la piscine. Et voilà, quoi. Donc là, je vais aller à la piscine. Parce que à 9h, ma copine elle m'a envoyé un message, j'étais en train de dormir. Du coup, je me réveille à 9h24 et j'ouvre son message. En plus, je dois encore me laver. Parce qu'hier soir, je me suis pas lavée. Parce que après le match et tout. Et du coup, mon message, moi, tu vas à la piscine. Je dis non, je viens de me réveiller, elle te fait ah mince. Du coup, ben voilà. Et puis, elle dit là, tu vas à la piscine à 9h30. À 9h45, je lui dis non, je profite d'un peu avec ma mère, c'est son anniversaire, je lui donne ses cadeaux et après j'arrive. Et du coup, là, après, je fais ma vidéo, je vais aller me laver et tout. Donc après, je vais à la piscine. Bref, donc voilà. Donc, on termine sur une fin de vidéo, comme ça, sur un peu mon balcon, enfin, mon balcon de camping. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à commenter. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.